Affirme ça. Oui, miracle en direct. Viens, maman. Tu as venu à qui dans mon bureau? Ma petite soeur. Elle avait quoi? En tout cas, elle était attaquée. On dit qu'elle devait mourir avec la grossesse. C'est qui a dit ça? C'est les hommes de Dieu, les hôpitaux. Partout à l'hôpital, même les médecins disent qu'elle va mourir. Oui. Et puis tu l'as amené où? Chez papa. Hein? Et puis elle dit elle a qu'à faire quoi? Il dit qu'il n'y a rien. Il a prié pour elle. Il dit qu'elle va coucher sans seau. Elle va attraper son bébé. Et avant qu'elle accouche, il y a un monsieur qui est parti la croiser encore. Le monsieur dit, il voit que votre la va faire quoi? Elle va mourir. Le monsieur l'a passé, dit, madame, tu vas mourir. Et dans mon bureau, il dit, tu ne meurs pas. Et il lui a dit, va payer une petite sucrerie. Sucrerie combien? 200. Il a dit, bois. Elle a pris, il a pris ma bouteille d'huile. Oh non, ne jouez pas huile de Seigneur. Il a pris ma bouteille d'huile, il a mis dedans. Elle n'a pas pu payer sucrerie. Elle a pris sachet. On a mis dedans. Touché son ventre. Tu me dis quoi tout de suite? Elle a accouché. Elle a quoi? C'est lui qui dit Amen. Jésus, 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 Jésus. Celui qui dit pas Jésus, c'est le plus grand sorcier. Regardez. Miracle. Adirette. Elle a fait quoi? Elle a fait garçon. Il y a dit deux, vous êtes trois. Il y a tous comment? Il y a dit deux rangées. C'est pour toucher à main gauche, main droite. Deux rangées.